Allez. Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live pour le Z-Event. Après 7 ans, me revoilà pour Harry Potter GBA, chose promise, chose due, sur Twitter après un sondage endiablé sur Twitter, évidemment, où vous avez été nombreux aussi à voter pour Dark Souls 2. Nous verrons combien de temps peuvent résister les Harry Potter GBA sur Benzaï Live, sachant que ce premier jeu, je sais qu'on y a joué à l'époque en Finlande en stream, un stream perdu dont la VOD est introuvable. Il y avait Tonton Arthéon avec nous sur le stream, dites nous si vous y étiez. En tout cas, c'est la reprise. Ce week-end, on va streamer un maximum au profit de Fondation. Mouchoir et cette part de gâteau. Il y avait Lutti. D'accord, Yujiro. Il y avait Lutti chez moi en Finlande. Ok, bah, il faudrait que... faudrait lui demander, alors. On dirait un placard à balai derrière. Non, mais oui, c'est juste... Effectivement, c'est parce que je suis Harry Potter. Voilà, un bureau qui sera rangé quand on aura récolté 25 milliards d'euros. Merci, El Bandido. Ben ouais, non, mais la VOD n'existe pas de Arthéon qui était sur Harry Potter. Il y a quelques VOD comme ça finlandaises qui ont disparu. C'est donc l'heure aujourd'hui de démarrer un nouveau chapitre de la Harry Potence sur Benzaï Live, qui est donc Harry Potter GBA. La musique avec, effet sonore avec, choix de la langue. Tout va bien, let's go. Bien dans le ciel étoilé, ne laissez prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire, Harry Potter. Ouah ! Putain, mais cette... Un futur tatouage, là... Alors que les moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto chevauchée par un véritable géant perça les ténèbres. Le géant qui répondait au nom de Hagrid laissa un petit tas de couverture devant la porte du 4 Private Drive, niché au cœur de ce petit paquet dormait un bébé, Harry Potter, le survivant de l'enfer. Et ouais, c'est les illustrations. Alors moi, j'aime bien, parce qu'il y a une espèce de... Il y a quelques années où Harry Potter, le style graphique est dicté par les couvertures anglaises, y compris sur les paquets de bonbons et trucs comme ça. Et c'est une charte graphique très particulière. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante... Les Dursley, la version Harry Potter des Thénardier, et je savais tous les abus qu'il subissait et je m'en contrebranlais. Jusqu'à ce jour que Harry... Ah oui, ne devait jamais oublier ce jour, merci Jessica, ce jour où il reçut la lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. La musique rend fou. Hagrid emmena Harry sur le chemin de traverse, qu'il y achète des fournitures scolaires pour le moins insolites. Après, Harry monta dans le Poudlard Express et regarda la voie 9¾ s'éloigner à l'horizon. Il quittait sans regret le monde des moldus pour y revenir pendant les vacances scolaires. Oh, cette McGonagall. Oh là là, ils ont tellement de vibes. Ça va un petit peu vite en besogne, pas faux. Ah, le livre est rapide, hein. Harry mit le choix-peau magique, espérant que de toutes ses forces être envoyé à Gryffondor. Tu payeras Serpentard. Ah, Serpentard, dit le choix-peau sur son oreille, que j'espère que t'as vu le film.
Je le vois dans ta tête. C'est vraiment le truc de Seb, genre, de toute façon, tout le monde a vu le film. Merci, Guigui d'Audrey, pour le don 5 mornilles. Ah, j'aurais dû sampler le 1, hein, une mornille. À chaque fois, à chaque don. Sur le chemin de la grandeur. Hein? Très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor! Salut Harry, je suis bien content qu'on soit tous les deux à Gryffondor et que la musique casse la tête. Dommage que cette madame, je sais tout d'Hermione, soit aussi, mais bon. Qu'elle attend de 4-5 ans là, qui à s'en occuper de sa gueule. Le cours de défense contre les forces du mal ne va pas tarder à commencer. C'est au deuxième étage, on se retrouve là-bas. Oh, et fais attention à Pete, l'esprit frappeur. Il est toujours en train de préparer un mauvais coup. Merci, le lapin blanc. Alors, par contre, l'animation... Faut se rappeler, hein, que c'est une époque où on se foutait pas de votre gueule. Hein. Vous pouvez vérifier le nombre total de chaque maison dans le hall d'entrée. Approche-toi d'un sablier et appuie sur A. Oui, mais ça va être une fausse mécanique, comme d'habitude. Après, j'aimerais beaucoup, parce que là... Ce que j'émule, c'est une cartouche qui contient les trois jeux d'un coup. J'aimerais bien foutre la main dessus, parce que t'imagines le Giga Collector. Regardez-moi cette animation, il y a toutes ses dents, c'est fantastique. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les turbans du professeur Quirrell, mais ça sent comme de la vieille sauce à spaghetti. Merci l'anonymous. Putain, un Voldemort qui se fait pas respecter en deux frames. Non, faut pas que la nuque du professeur Quirrell sent le vieux prépuce aigri. Comment il se retient? Eh bien, mais c'est le célèbre Harry Potter. Non, mais c'est pas Malfoy quand même, ça. Fais bien attention à qui tu fréquentes à Gryffondor. Regorge de sang de bourbe. De tut et de bon à rien. Tu fais sûrement plus attention à mes fréquentations que tes amis. Et c'est vrai que tu le connais. Harry, on est d'accord, Ron, tu le connais pas plus que ça. Hein. Ça se trouve, Ron... est connu pour avoir torturé des petits chats à l'école primaire où ne vont jamais les élèves. Donc pas de cours élémentaire, hein, on rappelle. Ouais, mais je préfère vous donner de la bouillie de pixels qu'un truc super lisse et cramé. Au moins pixel art, le pixel art est beau en plus. Sauvegarder grâce au livre flottant que tu trouves pas à Poudlard. Bloup. Je vous explique. On va faire des save states. Hein. Non mais franchement, sur un écran de GBA, trop beau. Hein. Oh, un petit nouveau, on va bien s'amuser. Toujours mieux que... C'est immense. Le cours de défense contre les forces du mal, c'est par ici, Harry. Merci, StroJPP. Save state. Alors, les save states, c'est dans les... sur les émulateurs, c'est vraiment sauvegarde d'état. Et en fait, c'est vraiment reprendre... À la frame près, merci beaucoup le calcul rénal. Benzo, voyez donc. C'est vraiment à la frame près, tu reviens pile poil dans l'état où était le jeu, comme si t'avais fait une sauvegarde instantanée au moment pile. Voilà, oh là, il y a Nolibus qui bourre les dos, merci à toi, continuez. Ah, tu sais ce que c'est, mais qu'est-ce que tu demandais alors? Ouais, non, c'est que là, en fait, avec ma souris, vous voyez peut-être pas, mais je sauvegarde. Pour éviter quand on meurt d'être un peu bloqué par une connerie ou quoi. Ah oui, on joue sur émulateur, j'avais la flemme de sortir la GameCube, le machin. Merci Ecti. Je savais pas ce qu'il y a dans le turban, mais ça sent comme de la vieille. Plein de spaghetti. Je
mériterais ton corps de défense contre les forces du mal avec ton frère, avec mon frère Ron. C'est à l'étage, Potter. Tâche d'être ponctuel. Oh la Joconde. Ah, c'est fou le pouvoir évocateur de cette peinture là. En fait, j'ai tout juste réinstallé l'émulateur, donc je sais pas trop où est le truc, où est le raccourci. Quoi. C'est immense! Oh la musique! Je sens qu'on va mettre un raccourci pour accélérer les choses. Attends, on est arrivé de par où? Le jeu est très joli. Non, ça. Pas le premier truc. Merci, les Gilles. Il y a Pavarotti. T'as entendu ce qu'a dit le professeur Dumbledore, Potter Secret est interdit à tous les élèves à disparaître autour des rangs. Ok. Et j'ai déjà perdu Ron, en fait. Le chien. Des trophées. Il va être temps de config un turbo. Mais non, faut pas passer derrière lui, c'est Ah, c'est un open world, hein, c'est un peu Demon Souls. Ah, il était juste là le truc. Ouah, le décor. Putain, le décor en pur bitmap. Donc là, c'est comme je vous disais, quand je dis en pur bitmap, c'est parce que là, c'est clairement une illustration qui est d'abord créée sur un PC, qui est extraite dans les limitations de la GBA pour l'afficher. Et c'est un JPEG, quoi. C'est un drag and drop de trucs. C'est pas fait en pixel art pour la console. Donc ça crée quelque chose de... D'assez spécial, mais qui doit être très joli en main, dans le creux de ta main, quoi. Il paraît que les gnomes te donnent la chair de poule, Potter. Je viens de débarquer, je n'ai jamais vu un gnome! Les préfets ont beau être des élèves aussi, ils peuvent quand même nous retirer des points comme les professeurs. Merci, Folkras! Pour ton don, on sait qui sont les gars! Finalement, c'est un peu comme Dark Souls, ouais, effectivement. Alors je vous préviens, je vais avoir un peu de mal à lire les dons parce que l'alert box, j'arrive pas à augmenter la taille du truc. Bonjour, et bienvenue au cours de défense contre les forces du mal, Potter, professeur Quirrell. Aujourd'hui, nous allons apprendre le bénéfice de la couille dans le cou, flippendo, repousse tout. Le flippendo, motherfucker! Pour apprendre à lancer le flippendo, tu dois répéter les mouvements de baguette de Quirrell. Appuie sur la manette directionnelle dans la direction à laquelle il agite sa baguette pour reproduire ce mouvement. Gauche, droite, bas, haut. Bas, droite. Up and down. Vous maniez admirablement votre bit, Potter. Vous apprendrez. Et maintenant, passons à un exercice plus difficile. Bas, droite, haut, droite, haut. Oh, oh, oh. Droite, haut. Merde, putain. J'ai réussi à faire de la merde. Je suis très excité, Potter. J'accorde 25 points à Gryffondor. Je suis curieux de voir votre cucu. Bas haut, bas, droite, haut, bas, haut.
C'était... Ah. Ah, je Gryffondor. Et maintenant, peut-être venez passer dans la pièce. Faut essayer de récupérer les sexes en main. Faites attention aux gnomes et foutez des flippendo. Ne devrais-tu pas être en cours? Putain, c'est pas Warander qui balance en bas, il en a rien à foutre. Il a bien raison, c'est 66% déduit d'impôt. Merci beaucoup, ma poule. Va commencer ta première épreuve du Flippendo. Pour la réussir, tu dois récupérer 6 étoiles d'or et repartir par la porte par laquelle tu es entré. Tu vas devoir également devoir lancer ton premier sort de Flippendo. Pour jeter le sort, appuie juste sur B. Oh mais elle est ouf l'anime. Je dirais Legacy of Kain quoi. Et vous l'avez entendu en plus. Flippendo. Oh non, il y a un baril. Dans cette épreuve, tu vas trouver un interrupteur pour la première fois. Alors c'est très différent du monde des humains parce qu'en fait... On est tellement intelligent chez les magiciens qu'en fait il faut jeter un Flippendo, on peut pas juste appuyer sur un truc. Pareil, on pourrait faire rouler ce truc hein. Certaines salles regorgent de gnomes. Pour ouvrir la porte ou ressortir, tu les assommer en lançant un Flippendo. Mon dieu, ils sont horribles! Qui a conventionné cette DA là? Il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce que c'est que la GBA par rapport à la Game Boy Color. Hein. La GBA c'est vraiment c'est une 32 bits déjà. Une tragique surprise, citron vert. Mais le jeu est très propre. Hein. Merci Luxfos, ah là là, les anciens sont là. La maladie des nombres ronds. Déjà 500 euros. Ah ouais d'accord. Ok. Et vous allez peut-être me faire mentir hein, parce que pour moi on dépassait pas les 5000 balles largement pas. Les blocs Flippendo peuvent constituer des pots. Ah, c'est un jeu tout à fait tout ce qu'il y a de plus normal. Arrêtez de me sous-estimer. Ah merde, j'ai pas lu le... C'était quoi? Ou plein de spaghettis. Surtout Harry Potter, évitez de crever la bouche ouverte. C'est un rang. Merci Imbrezel. Au citron vert. L'anime est déjà trop bien. Tu peux fouiller les étagères de Poudlard et voler des trucs. Ah, des vieux bonbecs. Ah, c'est acide. C'est au pamplemousse. T'as la gueule d'Harry Potter. Oh. Et c'est ouf, hein. La première vague de jeux Harry Potter, ils sont soignés, les jeux. Putain, mais... Ah, laisse-moi. Putain, mais pourquoi on voit l'arrêt de leur cul? Ils ont deux cacahuètes là, à la place du fessier, et c'est. On nous l'impose. Et oui, mais genre le. La pire classe à Diablo quoi. Merci le sapeur, effectivement, faudrait refaire des streams Harry Potter, mais. Allez, oh, c'est pas plus mou. Harry Potter, tu aimes gerbé. Brocoli. Ah, oh, les légumes, c'est dégueulasse. L'animation est super smooth, quoi. Tu as réussi l'exercice de Flippendo. C'est un bon point pour ta réputation. Bravo.
Harry Potter, il paraît que maintenant, vous savez faire des fractions. Vraiment, un prodige. Merci, Kajopi. C'est Electronic Arts, l'éditeur. Bravo, Potter. Je ne vais pas... Putain, Gryffondor, dépêchez-vous d'aller potion du professeur Rogue et lancez pas de flipendo sur les professeurs, ça pourrait être marrant. C'est lui le traître, et pourquoi? Parce que J.K. Rowling a mis un turban comme indice. C'est toi, Harry Potter? Je sais tout ce qu'il y a à savoir... Pardon, excusez-moi, faut que je fasse Texas Ranger. Mais pas du tout, Harry. C'est toi, Harry Potter. Je sais tout sur toi. On parle de toi dans mon livre d'histoire de la magie moderne. J'ai appris tous mes livres par cœur. Au fait, je m'appelle Texas Granger. Ah bon, je suis vraiment dans ton livre? Tu ne savais pas? Enfin bon, on ferait mieux d'aller en cours de potions dans les cachots. Il paraît que le professeur Rogue est tout nu. Quoi? On voit les guiboles, la jupette, le machin. Super détaillé, le sprite. Non, le fantôme de Bob Lennon! Tu l'as même pas sursauté! Disons que je commence à m'habituer à tes blagues, ça fait 2 minutes que je suis arrivé. Il faut que je revoie mes classiques alors! Et tu sais, Pip, peut-être que tout le monde se force à rire comme les pranks de certains youtubeurs. Merci Flippen from Urger et Domastorm. En fait, je le vois partir d'un côté et du coup, je sais pas où on va. Mon joueur Harry Potter préféré, c'est évidemment celui-là. Salle des enchantements. Et c'est le miroir du Rized, il est là. Quoi, tu peux tout fouiller là? L'animation, elle me fume, on dirait un RPG hardcore sur PC, quoi. Par rapport au Baldur's Gate GBA, on mange bien. Hein. Mais je vous dis, les jeux sont super soignés. C'est marrant. Je viens de manger une dragée surprise de Bertie Cris, je crois qu'elle était ouf. Et arrêtez d'enculer vos paquets de dragées surprise. Il y a une chance sur deux pour que ça goûte la merde. Ce sont les toilettes des filles. Je risque de faire des points à Gryffondor si jamais j'entre là-dedans. Alors, pas mal les M16 ou quoi? Merci Kimchi! Salle de métamorphose, putain! Merci le Brominator pour les 5 euros! Merci beaucoup. Mais en fait, j'ai... Merci, Place Verdun, La Rochelle. Les cours de potions, c'est par ici, Harry. Dépêche-toi. En fait, je pense que Electronic Arts n'a pas suffisamment capitalisé sur comment il signait pour ces jeux-là. Parce qu'effectivement, si Electronic Arts aimait un peu la thune et avait fait bien son taf à l'époque... On est en 2007. À qui 2007 ? Il y aurait déjà des collections des jeux Harry Potter. Oh merci Blue, installe-toi. Il y aurait déjà des collections des jeux Harry Potter. Ou Nintendo aurait négocié avec Electronic Arts de les avoir sur Nintendo Online, parce que ça c'est du caviar. Mais au lieu de ça, pas sur le PSN, pas en PSN classique, ils sont nulle part les jeux. Alors que c'est Electronic Arts, c'était le plus gros éditeur du monde et ça l'est encore un peu. Donc effectivement, il y a un dysfonctionnement dans la gestion des droits. Alors que tous ces jeux Harry Potter, les gens en plus sont très demandeurs de les revoir. Ils jouaient en HD. Merci Arthur Weasley. Et vraiment, oui, il y aurait un Harry Potter, ne serait-ce qu'un Harry Potter trilogie ou maxilogie ou quoi que ce soit, juste en rétro-compatible. Parce que les jeux, tu ne peux même pas les racheter aujourd'hui. Ils sont sur aucun store, même pas sur Origin, qu'appartient à Electronic Arts.
Donc il y a vraiment un gros souci en termes de copyright L qui fait qu'on n'a pas le droit d'être heureux avec ces jeux Harry Potter. C'est très chiant de se les procurer, surtout en français dans le texte. C'est pour ça qu'il faut faire les brocantes, s'acheter la compile. Alors les plus safe c'est quoi? C'est la compile PS2, parce qu'au moins t'as les trois en un. T'as la compile PS2, la compile GBA et le 4, 5, 6. Le 4, 5, 6, 7, 8 à prendre sur une 360 en brocante à l'ancienne. Et le Kinect, bien sûr. Et le GBA, ouais, faut... Mais par contre, moi, je suis jamais tombé sur la cartouche. La cartouche qui contient les trois jeux, la trilogie Harry Potter GBA, je l'ai jamais vu dans la nature. Sinon, je sauterais dessus. J'en ai quelques-uns en GBA Jap, et pas plus, quoi. Dépêche-toi, Harry. Le cours de potions, c'est par là. Et tout le monde dit que le professeur Rogue ne tolère aucun retard. C'est vraiment pensé pour les petits trajets, hein, parce que tu peux sauvegarder toutes les pièces. Hermione, mais bordel, comment tu connais ça? C'est ton premier jour aussi, espèce de vieille choua. Il a les cheveux bleus. C'est une tantine. C'est une tantine sur Badou, c'est pas du tout. Non mais ah là là. Mais Harry Potter c'était woke avant l'heure. Slay Verus Krog. Le gâteau est très bon. Ah oui, Harry Potter. Notre nouvelle célébrité. Puisque vous êtes le dernier à arriver. Merci, Mananor. C'est un peu Maminova Severus. Ouais. Puisque vous êtes le dernier à arriver en cours, monsieur Potter, vous allez nous rapporter 6 fioles du sous-sol. Allez, dépêchez-vous. Vous voyez donc pas que tout le monde vous attend et que je vous humilie devant tout le monde parce que je vous aime bien. Ça marche comme ça dans mon cerveau. Ouais, cette petite démarche chaloupée. Il devrait pas être en... Mais putain, mais Ron, mais espèce d'abruti! Mets un gros coup de pied, tu te casses la gueule dans le truc, quoi. Bien sûr, ma mission est clairement de tout péter. Monsieur Potter, j'ai pas dit enculer tout, hein. J'ai trouvé vos fioles et c'était dans l'urne funéraire de votre mamie. Oh, la portée du flipendo est négative. Non, les Harry Potter GBA, je les ai pas eu à l'époque. Hein. J'ai eu les... surtout le 2. Et j'ai vraiment fait 2-3 fois à l'époque. C'est le Harry Potter 2 GameCube. Et le pire, c'est que c'était mon grand frère qui les avait pris parce qu'il était... était buté sur les jeux, enfin sur les films. On l'avait acheté, quoi. Il était très joli. Il a plein de défauts, le Harry Potter GameCube. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est ça qui le rend légendaire. Comme celui-ci a une musique légendaire. Ah putain, salope! Merci, échappe!
Oh ah, on va crever. Remercie Harry Walker. Il y a un ou deux puzzles dans le 3 sur GameCube qui sont un peu chiants. Mais on l'a fait avec... Alors pour ma défense, je joue au stick analogique, c'est un peu dur. Justement, là, c'est pas très OP de jouer magie dans Harry Potter, bizarrement. Jouer une arme au corps à corps, c'est très bien. Moi, j'adore ce design là d'avoir la collerette rouge là sur le truc. Dans aucun film, c'est purement les jeux qui ont fait ça. D'ailleurs, hein, il existe un bouquin qui est sorti en France hein, sur le making-of des jeux Harry Potter. Justement, comment ils ont dû piffer des trucs avec juste les livres et quelques visuels. Pas du tout définitifs. Donc, il fallait que les jeux soient prêts à la sortie des films. Des jeux un peu différents des films. Ouais, pas qu'un peu quoi. Hyper dur. J'ai pas loadé la save state parce que j'aime bien que la musique n'ait pas coupé, cela dit. Vraiment, la mort est un non-événement quoi. Je sais que petit, ça m'aurait saoulé. Mais bon. Comment dire ? J'avais déjà 14 ans. Tellement le Z-Event en télétravail. Bon, effectivement, on va utiliser la croix. Attends. C'est un rang. Save state, c'est Shift F1. Et load state, c'est F1. Merci Grimjoe. Là, si j'appuie sur F1, clac, je reviens directement à ce truc-là. Donc là, si je foire, je peux appuyer sur F1. Mais c'est dur de fou! Ah! Foutez-moi la paix! Une dragée surprise! On dirait de la lotion. Quoi? Ou l'Ube. Leur comportement est émergent. Hein. Ou lotion, quoi. Oh non, pas encore, goût capote. Je dirais Texas Ranger. Merci pour les dons de sub. On rappelle ici que c'est le Z-Event avant tout chose. C'est un rang. Ça, c'est juste une découverte. Cette porte est verrouillée.
En vrai, je préfère une perspective dans ce genre-là. Plutôt que de la 3D isométrique. Oh putain, quel fou! C'est ma Mudapao. Un sachet de dragée surprise! Le diabète, Harry. Merci, lui. Nouveau jeu de Quidditch, je suis sûr qu'il sera affreux. Mais... Après, on s'était laissé tenter par le Quidditch à GameCube. Hein. La musique casse un peu la tête. Ah, une fiole vide. Oh, une morning. Ah, mais il est sorti le jeu de Quidditch? Sérieusement? Waouh! Merde. Mais attends, mais c'est trop la cruauté si tu tombes dans un trou alors que c'est très facile. Mais non, là ça se trouve, je suis en train de perdre des vies. Ça suffit, monsieur Potter. Donc, classe immédiatement les cours, continue. Mais enfin, il m'envoie tuer des aliens Crazy Frog là pour me faire engueuler derrière. Il me regarde d'ailleurs via une caméra cachée. Ah, le Quidditch, il est gratos sur PS Plus. Ah, on y jouera peut-être alors, quoi. Merci, Bellatrix. Ah, merci, Zelo, t'as fait un don de 100 balles. T'as vu la cagnotte bouger, quand même? Tu as récupéré les 6 fioles. Peut-être que Rock s'acharnera un peu moins contre toi, maintenant. Mais non! Parce que... il veut baiser ta mère, même si elle est morte. Ah oui, Harry Potter, nouvelle célébrité. Je dis ça à chaque fois que je vous vois, Harry Potter. J'ai des trous de mémoire depuis que votre mère est morte, je me prends la gueule tout le temps. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de l'écorce de sorbier en poudre à une infusion de molly et de dictam et que j'y verse un demi-litre de verre à crasse, une petite suze, de l'eau, d'une pastis et une olive. C'est pas, monsieur. Apparemment, la célébrité n'est pas tout dans une vie. La réponse est bien entendu une potion Wiggenveld. Un puissant antidote fera l'objet de notre premier cours. Parce qu'effectivement, je vous reproche de ne pas savoir quoi que ce soit sur les potions lors de votre premier cours de potion en sixième. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce que tu penses de ce Rock et les cheveux bleus dans cette version? Comme une grosse putaine, mais... Ah oui. Là, avec des petites lunettes, là... Et il a un profil pas douce. Exactement, je l'ai déjà fait, là. Notre prochaine leçon, je veux que chacun de vous apporte les 4 ingrédients suivants. Dictam, du molimucus de Veracras, une écorce de sorbier... Et vous ne risquez pas d'en venir les mains vides. Hagrid, le garde-chasse, pourra peut-être vous aider à trouver le premier ingrédient. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Les cours durent 5 secondes. Là, il doit vous tenir à carreau. Crabbe et Goyle m'ont dit qu'on pouvait trouver du dictam, Potter. Dommage que je ne puisse pas te le répéter, c'est un secret de Serpentard. Mon frère m'a dit que si tu décollais assez vite, tu pouvais voir le sommet de ton crâne en te retournant. Merci, Grimmjow. Ça sert à rien de fouiller ces trucs. Là, il y a une cacahuète au-dessus. La musique rend fou. Merci, Curtis.
Je rentre dans un passage secret là. J'ai pas reçu de code Apple TV+, alors je suis abo avant le 19 août. Je ne sais, ça c'est un truc inhérent par rapport à comment ton Twitch était lié à ton Apple ou ton Amazon. Je ne peux pas faire le service après-vente du sub du mois de la promotion Apple TV Amazon, mon cher Sukhoi, je suis désolé. Apparemment un problème interne à Twitch, nous dit. J'ai vraiment détesté le corps de potion, mes cheveux brûlent là, pourquoi ? Passe sous un pauvre sou, vole sur un balai, il plonge en piqué sur toi. N'importe quoi. Voler sur un balai, ça va être super, je suis plus inquiet pour l'atterrissage. Quoi ? Est-ce que c'est du mucus de Veracras ? Pourquoi ça pourrait pas être de la sueur de Veracras ? Voici mon plan. Trouver un Veracras, le branler et récupérer son mucus. Les radios libres sont prévues de reprendre ces 4. Père m'a dit que si tu décollais pas assez vite. Quoi, mais ça... Arrêtez de répéter tout. Mon plan. Mais putain, c'est encore Georges. Passe sous un pont. Oh. Des PNJ. Merci Inzold. Ce Rogue, il a l'air d'un sacré pot de vache, hein. Oui, je crois qu'on ne va pas beaucoup rigoler avec lui. Et comment on va trouver ces 4 ingrédients? Moi, je sais même pas par où commencer. Rogue a dit que Hagrid pourrait peut-être nous aider à trouver du dictame. Il vit dans une cabane dans le parc, non? On n'a qu'à y aller. Comme dans le sketch de SNL, quoi. Où Hagrid y revient, il a épousé Luna Lovegood et il fait genre... Mais... C'est fou, ça. Genre le maître des clés de l'établissement scolaire qui vit dans une caravane sur le campus, qui finit avec une étudiante. La meuf qui fait Luna, elle est juste « He's huge !» Et merci beaucoup, ma poule. Ça fait plaisir à lire. La cabane de Hagrid est à côté et de ce côté, Harry, suis-moi. Arrêtez de courir plus vite que moi, ça me stresse. Vous connaissez cette map de Vampire Survivor? Les mêmes sprites. Putain, mais c'est dur quand même. La cabane de Hagrid est juste à côté de la forêt interdite. Et Harry, fais attention aux gnomes, ils mordent. Mais viens pas avec moi. Je dois retrouver mes frères Fred et George. Ils sauront peut-être comment faire pour trouver le reste des ingrédients de la potion. Merci Cédric Diggory pour le Z-Event. C'est une note du professeur Sourave. Les élèves ne doivent pas s'approcher des carrés de champignons. Potter. Ouch! Ah ouais, putain, mais waouh, mais. Oh! À la menthe! C'est beau comme tout, hein. Un peu trop de flipendo, cela dit. Merci Auguste. Je sais pas si les gens sont là pour la hype du event ou pour la hype de Harry Potter GBA. Mais sachez que c'est un vrai don de soi de pas jouer à Space Marine 2 en l'état. Ah, les buissons finissent par se casser. Aïe, mais...
oui, mais putain, ils ont 1 million de PV. Une deuxième partie au Best of 2015 où c'était l'intégrale déjà. Ah, tu as déjà toutes les vidéos de 2015. Tous les hard corners. Mais il y aura le... Enfin non, c'était un Best of 2014. Il y aura le Best of 2015 après. C'était pas juste... C'était un vrai trou. Merci Truit. C'est un rang. Pas des nouveaux noms, quoi. Pas pour un truc de dragée, mais... On est d'accord que ça, ça fait tomber. Et on est Ouch! Putain, c'est balèze. Merci le bras de Bruno. Ah mais oui, hein, Nintendo aimait, si Nintendo aimait l'argent, ça ce serait sur le Switch Online. Non mais Harry Potter PS1 devrait être en compile, tout devrait être en compile. Il devrait y avoir une compile Harry Potter PS1, Game Boy Color, GB, Game Boy Advance. HD. Qui sont sortis sur PS3. Ouais, les carrés de champignons, ils ont dit faut s'en méfier. Mais en même temps, les champignons, c'est pas bon. Hein. Pas tout à fait. Hein. Ouais, et en fait, c'est que on sait qu'ils attendent pas que de les remasteriser, c'est juste que je suis sûr qu'ils ont plus les droits de les vendre parce qu'ils ne sont même pas. Les anciens ne sont même pas en version buggée sur Steam en vente, quoi. Ah, au foie! Délif! Mais! Mais c'est moi ou c'est exactement comme le film? Et là, quand je vois les vidéos où les mecs font des. Refont, tu sais, genre le début de Wukong en 3 jours sur Unreal Engine 5, je suis sûr qu'un jeu aussi simple que ça, là, juste avec les mêmes dialogues et des graphismes de luxe, tu spammes des flipendo, des triducs, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont capables de le refaire très vite. Hein. Merci le nab! J'espère qu'il y avait peu de ressources, des gens arrivent à remaker ça. Une choco grignot, je me demande quelle carte je trouve à l'intérieur de ces. Voilà. 600 balles, merci beaucoup Marie-Ève de regarder. 600 euros déjà, je ne pensais pas qu'on en arrive là, du coup je suis obligé de jouer à Dead Rising 4 déjà. C'est beaucoup de choses. Hein. Alors il y a peut-être des trucs qu'on va faire pendant le Z-Event si Harry Potter nous casse trop les couilles. Je n'ai aucune idée de ce. Du temps que ça va durer. Hein. Je sais que le 3 est un RPG. Hyper bien noté en plus. Il est sûrement plus long. Une dragée Burk à la morve. Ça me rappelle de mon souvenir quand même. Bientôt le permis. Ouais. Et une auto-école en bas de chez moi. Waouh, le graphisme. Putain, mais ce sexy. C'est Nota Bene. Mais il a rien à voir avec la version PlayStation 1. Mais voilà, Harry, content de te revoir. Je m'excuse pour cette invasion de gnomes. Je suis un peu tête en l'air en ce moment. Tu comprends, entre les cambriolages et les vidéos sur les vikings, la banque de sorciers et ma mission pour le professeur Dumbledore, je fais beaucoup de choses très importantes à régler alors que je n'ai payé qu'au black. Merci Auguste. Thank you.
Oui, vous avez été nombreux à m'envoyer les screens. Comme quoi, tu peux avoir le masque de Harry de Hagrid Blobfish sur PS1 dans le nouveau jeu de Quidditch. Hagrid, je suis venu vous demander votre aide. Rogue nous a demandé d'apporter une herbe appelée Dictame. Au prochain cours, savez-vous où je pourrais m'en procurer ? Bien sûr, Harry, bien sûr. Il faut d'abord que tu mettes sortie de ton sexe. Voici mon jardin, Harry. Il doit surveiller, voir du dictame sauvage dans les fonds. Tu peux cuire tout ce dont tu as besoin. Bien sûr qu'Agrid est une arbalète, il y a toujours une arbalète. Ouah, Grimjoy, pour le permis! Ça, c'est un radis qui... Ah! C'est à cet endroit que vous avez arrêté de jouer avec Arthéon, car en mourant, vous avez repris depuis le début de la zone. Ah ouais? Bien, beaucoup mieux que moi. C'est pas aux deux qu'on avait joué, parce que j'avais souvenir qu'avec Arthéon, on avait fait de l'infiltration le soir avec les préfets et tout. Que c'est chiant. C'est insupportable. Oh mon dieu. Oh, Julian Ross, merci pour les 5 balles. Elles viennent de rien. Et plus d'action. Harry lance quand même beaucoup plus de sorts que dans le film hein. Ou le bouquin. Essayez de vous souvenir combien de sorts jette Harry Potter dans Harry Potter à l'école des sorciers. Merci Quackrabs qui donne 300 balles. Putain, mais vivement Goyle, merci beaucoup. Je me rappelle que 300 balles avec le crédit d'impôt, c'est plus proche des 100 euros vraiment donnés réellement. Ça vaut le coup? Bah si, je crois qu'il fait un Wingardium Leviosa et tout le monde est impressionné. Ah oui, on est très vite arrivé près des 1000 là. Le mec est chaud. On va sauvegarder là. Les save states, c'est bien, hein, ça corrige quand même le défaut de certains jeux de l'époque qui n'avaient pas de sauvegarde. Comme je pense là. À vue de nez, je pense au Jurassic Park Super NES aussi, hein, dont le seul vrai défaut était l'absence de sauvegarde. Arthur, couillère! Oh là là, merci Baba Ours. Ça donne un peu envie de jouer en accéléré, je vous le cache pas. Ah non ! J'ai un PV. Dans le film, il réussit pas lui-même Wingardium Leviosa. Putain, bah oui, parce que c'est Ron qui le réussit. Ouah, un rang 1000 balles déjà. Oh là là. Oh, c'est pas prêt, c'est pas fini. Ouh là là.
Vous êtes chaud? Oh, on va devoir jouer à Outer Wilds. Merci Ryan Liber. Harry ne lance pas de sort dans Harry Potter 1, le film. Okay. Dans le 2, je crois qu'il en fait 0, non? Il en fait quelques-uns dans le 2? Est-ce que mon mail de donc Dead Event doit dire Benzaï quelque part? J'ai bien utilisé son lien pourtant. Normalement, ça suffit. De l'eau, tu le sais, la seule personne à galérer. Bon, désolé pour toi. Ah, dans le duel avec Malfoy, ouais. Dragée surprise. Waouh, à la cannelle, putain. T'as enfin me lavé le goût de dragée beat. Alors les jeux que je fais, qu'il y a pour objectif, soit on les fait dans l'année, soit on les fait pendant le Z-Event si vraiment le programme, soit que ça vous plaît pas, ou qu'il y en a marre, ou que je pète un plomb. Est-ce que vraiment vous voulez qu'on joue à Dead Rising 4 dans ces conditions-là, avec les dons et tout le bordel? Remarque, ça peut le rendre un peu plus... présentable. Des dragées entiers. Et que de Rising 4, il y en a pour. Il doit y en avoir au moins pour 9 heures à faire une run. Saloperie! Oh, merci French Mudocon! Ça fait plus de 10 ans que tu me suis, merci beaucoup. Il y en a, ça va faire 10 ans bientôt sur Twitch hein, aussi. Hein. Oh là là, l'angle mort est horrible. Cette dératisation est tellement nulle. Mais ça, je disais, je fais ça pour Sekiro. Ah, d'accord. Ouais, c'est Harry Potter 1. C'est pas un speedrun, les gars, hein, je vous préviens. Hein. On va se faire chier. Mais on triche quand même avec les save states parce qu'il faut pas déconner. Cet œuf. Pour l'instant, c'est un peu zone 51, effectivement. Ah non, attends, faut que je pousse le truc pour continuer à pousser l'œuf. Chez moi. C'est pas que faut.
attendez, c'est insupportable. La logique de la logique de cette physique est implacable. En même temps, quel enfer. Non mais là du coup j'ai softlock là. Ah non, c'est pour pouvoir faire ça. Oh Légion, merci. Tout ça reste mieux que le Goku Legacy sur GBA. Hein. Merci Nico Butch. Un œuf d'alien à ce stade. Alors ce jeu. Et voilà, deux champis de merde. Là, tu tombes dans un trou, faut tout refaire. Hein. Donc merci les émulations. Hagrid, ça y est, j'ai trouvé du dictame. Oh, bravo Harry. Bravo Harry. Oh, c'est qui va être furieux de pas pouvoir te punir parce que ils vont parler en salle des profs, il avait hâte de pouvoir te claquer le cul. Merci Elastic. Allez volant, je crois, avec Madame Bibine. Ne perds pas de temps alors, putain. J'ai trouvé du Dick Cheese. Merci Giraffe.